Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est dimanche matin, je n'ai pas encore ouvert les volets, ce qui explique la luminosité. Cette bougie n'est pas droite, ça m'agace. Voilà, c'est mieux. Il me manque plein de trucs, genre des pruneaux, voilà, ça part tellement vite. Je vais devoir aller à Inter ce matin. Le truc qui m'enchante, mais pas du tout. J'ai pas trop le choix. Mais avant toute chose, faut que je vous montre la surprise du matin. Voilà, je sais pas, il a dû faire ça, Jack, cette nuit. J'ai même pas entendu. Je vais le ranger avant qu'Eric voit ça. Parce que... Petit déj terminé, je vais ranger et je vais me préparer. Et ben non, d'abord, je vais vider tout le lave-vaisselle et ben forcément le remplir. Ça sera fait. Ça y est, je suis prête. Je vais descendre prendre mon petit café. Je vous avouerai que ça faisait donc 8 jours que ben, j'avais plus mal au ventre. Et hier soir, j'ai eu très mal au ventre. Mais je sais pourquoi. J'ai fait un excès, j'ai mangé... quelque chose qui était free, enfin, j'ai mangé des trucs free, donc un peu plus gras que d'habitude, et bah, je l'ai payé tout de suite. C'est dingue. Franchement, dès l'instant où je fais un écart en gras, en sucre, je le paye immédiatement, enfin immédiatement, une demi-heure après. Et là, ce matin, j'ai encore des petites douleurs. Bon, au moins, je sais ce que c'est. Il faut vraiment, vraiment que je fasse attention à mon alimentation. Je sens que je vais m'éclater à Noël. Bref, bah, je finis mon caf et direction Inter. Je te vois la regarder la poubelle, hein. Tu ferais pas ça devant moi quand même. Hein. Et ben voilà, j'ai mis mon gros manteau, mon gilet, pensant que j'allais cailler. Pas du tout, il fait super doux. Je me demande, je vais peut-être l'enlever parce que j'ai pas envie de me sentir mal à Inter. Quoique maintenant j'ai des nouvelles lunettes et je crois que ça joue sur les vertiges de positionnement. Maintenant que ma vue de loin comme de près est, on va dire... Oh, j'arrive plus à parler, c'est dimanche matin. Ma vue de près et de loin est rectifiée. Ça me... Non. Ben voilà. Bon, est-ce que je vais passer aux graines du coup? Vous savez que ça coûte très très cher tout ça. L'autre fois, j'avais pas fait gaffe, j'avais pris des pignons de pain et arrive à la caisse, 5,03 les 100 grammes. Ok, quand tu vois à côté 0,63, je comprends mieux. Qui s'est encore pris une saucée? Bah c'est moi. Allez go, maison. Je vous pose tout simplement parce que je suis dégoûtée. Ma perche pour filmer est cassée une nouvelle fois, ça fait deux fois. La première fois, je m'étais assise dessus. Elle s'est cassée net, là, je comprends pas du tout. Elle a été posée et je la prends et je vois ça. Ouais, 40 euros quoi. En passant devant, j'ai vu que Jiffy était ouvert. J'ai encore un bon cadeau, donc pourquoi pas. Je vais quand même vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé chez Inter. Voilà tout ce que j'ai pris. Alors, c'est des choses quand même assez saines. Notamment, on a des fromages blancs, des œufs. Ce pain est très bon parce que il est sans gluten. C'est vrai que moi, il me fait pas mal au ventre. Les autres pains, sans je les mange pas, ils me font mal. Ça... C'est très très bon, c'est vraiment très doux pour le ventre, c'est pas sucré. Par contre, c'est vrai que c'est pas donné, c'est vraiment pas donné, surtout celui-ci. Après, bah, il y a du blanc de poulet, voilà, à faire cuire, du comme ça. Mon petit fromage du matin, comme d'hab. Et puis, bah, des légumes, des carottes, puisque je compte me faire, bien sûr, mes propres carottes râpées. Des clémentines qui viennent de Corse. Et bah, après, voilà, hein, mes petits pruneaux, baies de koji, patates douces. Je vais me faire aussi des patates douces. Voilà pour mes petites coursettes de ce dimanche matin. Je vous avouerai que je suis vraiment contrariée avec cette histoire de perche, vraiment, vraiment. Je sais ce que tu regardes, c'est ça. Ça, tes petits surimi. Je te donnerai un petit bout si t'es gentil. Mais enfin bon, avec ce que t'as fait ce matin, hein, les poubelles. Tu crois que je vois pas ta petite tête de fouine? Celle-ci, elle est un petit peu ridicule quand même. Je vais les mettre là. J'y perçois que je vais me finir la bouteille que j'ai achetée il y a 4 jours. Et ils mettent, ça c'est le petit inconvénient, il faut le boire dans les 3 jours en fait. Wow, je pense que ça va, là, 4 jours, je vais la finir. Sinon, hier, j'ai reçu My Sweetie Box de décembre, que je vais tourner pour la chaîne des box. Elle est top. Bon, bien sûr, j'ai regardé son contenu. Elle est vraiment très originale. Il y a des produits que j'ai hâte de tester. Vraiment, donc je comptais vous la tourner cet après, mais vu que je dois aller chez Jiffy, je verrai, sinon pire sera demain. Mais rien que la boîte, elle est très belle. Et ce qui est vraiment cool, jusqu'à aujourd'hui, le 9 décembre, il y a moins 30% en bon d'achat pour la prochaine fois si tu dépenses 50 euros. Donc il faut vraiment que, bah, du coup, que j'y aille cet après. Bah, je regardais s'il y avait
des perches à selfie. Donc dans tous les cas, bah, je vais y aller. Hein. Je m'apprête à aller chez ma maman parce que ce midi, elle recevait quelqu'un de ma famille que j'ai pas vu depuis un bon moment. Donc bah, je vais en profiter pour aller lui faire un petit coucou. Là j'attends Eric et après bah, j'enchaîne Jiffy. Superman arrive. C'était très sympa ces petites retrouvailles. Donc j'ai mis, je suis restée plus longtemps que prévu forcément. Et là, bah, je cherche vraiment partout la perche. Je sais pas, peut-être dans le multimédia plutôt. Mais non. Oh, c'est abusé quand même. C'est quoi ça? Vous avez vu, c'était ça que je vous disais que je voudrais. C'est la même que j'ai à la maison et je voudrais en mettre une deuxième quand tu auras plus le sapin, en espérant qu'elle y sera toujours. Bon, déjà, y a un truc qui est cool, c'est qu'il y en a. Donc, celle à 4 euros. Et il y a ce modèle-là, à 13 euros en fait. Je sais pas. Parce que ça m'a l'air bien plastique aussi. Donc, je sais pas, celle-là, ça a l'air pas mal. De toute façon, à la limite, 4 euros, je la teste. Ça y est, je suis rentrée. Bah, au final, j'ai acheté que ça. Et bah, je vais tester tout de suite. Ça y est, je perche de nouveau. La nana qui était tellement pressée, j'ai même pas enlevé mon manteau. Ça a l'air quand même assez fragile, hein. Faut que je fasse gaffe. J'aurais peut-être dû prendre l'autre modèle, mais ça va quand même me dépanner, je pense. Ouais. Bébé. C'est l'heure des câlins. Ah oui, tu veux des petits câlins, mon bébé? Oh oui. T'es un gentil Jackie, hein. J'ai une fringale, il est 5h30. Je vais me prendre un bout de fromage. Avec le pain que j'ai acheté ce matin, c'est pas mal, ça va me caler ça. En même temps, c'est mieux avant, à cette heure-là, j'aurais déjà mangé des gâteaux, des chocolats. Je serais passée à la pâtisserie, à la boulangerie. Ouais, c'est fort probable. Mission impossible, c'est celui qui se passe à Paris. C'est ça, hein? Oui. Cool. Je vous reprends que maintenant, on s'est fait une petite soirée, comme on fait souvent le dimanche film. On a regardé, comme vous avez vu, Mission impossible, c'est celui qui se passe à Paris. Très bien, donc de l'action, vraiment ouais, il a des côtés assez bluffants, il dure plus de 2 heures par contre. Et sinon, ma perche, elle m'a bien fait flipper en fait cette perche, je m'en doutais. Je vous l'ai pas dit, mais en fait je l'ai clipsée à un moment donné et c'est sorti de son socle. Elle s'est mise à... mon téléphone a sauté en fait, je l'ai rattrapé. Et si je l'avais pas rattrapé, j'aurais perdu mon téléphone, enfin en tout cas il aurait pu se casser. 2 fois de suite, ça me l'a fait. Je comprends pas. Donc peut-être une question d'adhérence, de comment ça s'appelle, ressort. J'en sais rien, mais hyper flippant. Du coup, je vais être obligée d'en racheter. Je vais racheter une perche. Et en plus, la perche, je suis là, je suis en train de filmer et hop, ça pivote, ça tire rien du tout. Je vais, voilà, ça m'embête vraiment de racheter à 40 euros. En même temps, je me dis, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'attende ou à Noël que je prenne une perche de qualité qui coûte plus cher, mais au moins ça va me durer longtemps. Je vais voir, je vais réfléchir, parce que là, elle me fait flipper cette perche. Autre chose, j'avais complètement oublié, mais demain, j'ai rendez-vous. C'est un rendez-vous que j'avais pris longtemps, longtemps à l'avance. Vous vous souvenez, ma rééducation ophtalmique. Voilà, bah, c'est demain matin, 9h30. Je vais y aller à pied, une petite trotte, ça va me faire du bien. J'espère que ça va bien se passer, que ça va pas me donner une migraine, parce que c'est pas mal d'exercices, je crois, à fixer des choses, à loucher, enfin bon, bref. On va voir ça. Le vlog, je sais, il aurait été assez court, mais en même temps, vous aimez bien que je fasse des vlogs au quotidien, et mon quotidien, bah, c'est ça. Il se passe pas des trucs de dingue, mais voilà, je vous les montre. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou et vous dis... à demain dans un nouveau vlog pour de nouvelles aventures.